Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Le personnel du ministère des Arts et de la Culture à l'école de la déontologie administrative. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Il s'est tenu ce jour à Yaoundé au Centre culturel camerounais. Un séminaire d'une durée de 2 jours axé sur le renforcement des capacités et techniques des personnels mis à la disposition du ministère des Arts et de la Culture par le ministère de la Formation professionnelle et administrative. Le nouveau personnel du ministère des Arts et de la Culture déployé à l'ensemble national est à l'école de la déontologie administrative. Il sera question dans les jours à venir de descendre sur le terrain, mobiliser, sélectionner des talents qui viendront nourrir les différentes sections techniques opérationnelles de l'ensemble national qui sont le ballet national, l'orchestre national et le théâtre national. Et bien évidemment, ceci s'adossant sur les orientations stratégiques qui sont déclinées dans la nouvelle stratégie nationale de développement SND 2030. Dans son adresse à l'ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère des Arts et de la Culture, Blaise Kenney, a souligné tous les enjeux de cette formation adossée sous le thème « Appropriation des compétences professionnelles, gage de la contribution efficace et efficiente de l'ensemble national au développement économique et social du Cameroun ». L'exigence est une panacée incontournable. Elle devrait déboucher sur l'intégration et l'internalisation du triptyque opérationnel et managérial en vigueur aujourd'hui dans tous les établissements publics qui se veulent modernes, concurrents et épris de soucis et de performances culturelles et organisationnelles, à savoir l'alliage des compétences, d'efficacité, production résultat avec les moyens de coût, d'efficience, utilisation judicieuse des ressources et des pertinences, conformité des résultats aux attentes des clients. Tout au long de ce séminaire animé par des experts à la matière, il sera question d'entretenir les participants sur la déontologie de la communication administrative, sur la structuration du mouvement artistique et culturel, ainsi que sur la stratégie de mobilisation des artistes dans l'ensemble du pays. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Sur CNN.